Les vidéos de même, c'est énervant, vous le savez! Aujourd'hui, full impoli, je cherche pour être sûre de rien oublier, parce qu'aujourd'hui, je vous présente la collection Star 2.0! Je vais l'appeler de même! Puis c'est ça, je veux vraiment, parce qu'il y a quand même pas mal de morceaux, fait que je vous montre ça. On a quelques repeats, c'est-à-dire de restock de gros vendeurs de la première collection et des nouveaux modèles que je suis tombée en amour. Ben, on est tombé en amour littéralement, Alex et moi. Premièrement, je vais commencer par les repeats. On ressort le top noir dans le noir parce que c'est lui qui s'est fait le plus demander. Fait que voilà. Là, on le sait qu'il y a plusieurs personnes qui avaient demandé des retours parce que c'était petit. Tu sais, nous, dans les descriptions, on marque tout le temps que ça peut varier jusqu'à 4 cm. C'est quand même beaucoup, 4 cm. Puis, habituellement, nous, nos vêtements, ils varient jamais, là, de plus que 1 cm, même pas. Mais là, eux, c'est comme des nouveaux fabricants. Fait que, tu sais, on s'entend qu'on... Oui, on les a testés, mais nous, ça a donné que nos grandeurs, c'était comme... C'était ça, c'était parfait. Puis, c'est ça. Il y en avait quelques-unes d'entre vous qui disaient que c'était vraiment trop petit, malgré les agrafes. Fait que là... Les chartes, on va vraiment comme les vérifier un par un. Tu sais, c'est tout fait à la main. Fait que là, on se disait, oui, ça peut varier, mais à ce point-là, tu sais, on veut tellement, vous le savez, là, on veut tellement s'ajuster de collection en collection. Pour nous, le sport, c'est nouveau. Et malgré ça, on a quand même eu un méga gros hit, puis on veut juste s'améliorer. Fait que là, mais malgré ça, ceux que le top faisait, c'est comme quand ils allaient en refaire d'autres, puis tout, parce que c'est vraiment, même moi, je le porte constamment. Je le porte dans des soirées chics. Je le porte à la maison pour être confortable. Je le porte au gym pour qu'il tienne. Sincèrement, le fait que la bande, ceux qui l'ont pas, là, première chose, ça fait une cracks de titon. Incroyable. C'est pour ça que moi, je le porte en dessous de mes vestons. Puis, le soutien est vraiment bon. Et ça, la grosse bande, c'est une caractéristique qu'il n'a pas à nulle part. Moi, je suis une fan finie de Loulou. De moins en moins, je vous dirais, de plus qu'on en a avec Will & You, parce que, veux pas, on y va selon nos critères à nous. Mais les top Will & You, depuis que j'ai reçu lui, là, genre, tu sais, cet été, là, à chaque fois que j'achetais ailleurs, j'étais déçue parce que, justement, la bande est tellement grosse puis elle bouge pas. Fait que ceux qui sont pas à l'aise d'être vraiment style brassière puis legging en entraînement, au gym ou à la maison, peu importe, c'est parfait. Pour vrai, là, ça, là, c'est vraiment hot. Mais autant que ça, c'est un restock, le chaud du coq à l'âme, là, autant que le nouveau top, je l'aime vraiment aussi. Sincèrement, je l'ai mis au gym, là, 2-3 fois, évidemment, pour le tester. Le confort. Je voudrais que lui, là, il est comme plus mou, là. Fait que, tu sais, lui, il est très, très... Il soutient bien. Moi, je suis capable de le porter, comme, toute une journée, toute une soirée. Par exemple, j'ai pas la plus grosse poitrine du monde. Tu sais, ceux qui l'ont pris pour que ça soutienne, qu'ils le mettent vraiment en tête, c'est sûr qu'il soutient. Fait qu'il est, c'est ça, il est plus tight. Tandis que lui, il soutient vraiment aussi parce que le pad, il est quand même assez... Puis il s'enlève en nos pads, s'enlève tout le temps, là, parce qu'on sait qu'il y en a qui sont... Surtout ceux qui ont des poitrines refaites, souvent, ils aiment pas ça, comme avoir une pad de plus. On s'ajuste, on s'ajuste. Et donc, il s'enlève. Moi, je garde les pads et lui aussi, il fait une belle crack. J'étais très contente. Puis, il est vraiment content. Puis là, ceux qui ont nos leggings, c'est le même principe, là, la petite... il y a comme un élastique en bas. Je vais vous montrer. Là. Il y a un élastique en bas qui fait que ça roule pas. Puis, je me suis entraînée avec la semaine passée comme pas tout nu, j'allais dire, là, mais avec nos biker shorts, avec nos trois quarts, je vais vous montrer ça après. Puis, j'étais pas à le détourner. Tandis que, mettons, si je fais versus une autre compagnie, c'est sûr que ça détourne. Encore là, je vous dis ça, là, mais ça, c'est comme j'avais dit avec les leggings. C'est quelque chose que c'est personnel. Ça dépend de ton bourrelet. Ça dépend comment t'es faite. Fait que, tu sais, je vous dis, moi, tu sais, les leggings, moi, les autres leggings, sur moi, je peux pas les porter en m'entraînant. Je les porte la fin de semaine parce qu'ils sont vraiment confortables. Et vice-versa, le top, je pourrais le porter tout le temps. Puis, il y en a qui l'aiment moins, tu sais. Je vous dirais qu'à date, on touche à beaucoup de choses, les accessoires, les vêtements d'enfants, les vêtements d'adultes, même dans l'homme. Puis le plus dur, c'est vraiment collection sport parce que les gens ont tellement pas les mêmes caractéristiques. Puis, tu sais, mettons, je m'entraîne avec 12 filles au CrossFit, puis je pense que je vous en avais parlé dans l'autre vidéo. Et les 12, on n'a pas nos préférés style de pantalon ou nos préférés top. Ou genre, tu sais, mettons, je présentais un peu la collection aux filles au gym, puis la moitié disait, ah, ça, je vais aimer ça à cause de la bande. Ça, j'aimerais pas ça à cause de la bande. Tu sais, c'était comme controversé, fait que c'est dur. Je vous le dis, les filles, c'est vraiment dur de créer une collection de sport. Fait que là, plus les collections vont aller, plus on va essayer d'avoir un peu de tout. Fait qu'on a le top qui revient en repeat, qui est très soutenu, belle craque, grosse pad, qui s'enlève, ajustable au dos. Moi, personnellement, j'enlève pas. Je veux dire, j'ai pas besoin
d'enlever l'agrafe. Fait que moi, c'est sûr que j'en voulais un sans agrafe. Fait qu'on a lui, puis sérieux, le confort. Le confort, c'est vraiment, vraiment, vraiment le top que je mets, mettons que je veux rien sentir, là, que... Bon, mes expressions, j'espère que hein, vous êtes à l'aise avec ça, mais que vraiment tu te sens tout nu, les totons à l'air. C'est très confortable, mais en même temps, en ayant un bon soutien à cause des pads et de la petite élastique. Fait que, tu sais, je sais pas si vous allez pouvoir, ceux qui vont avoir les deux tops, vous allez pouvoir appuyer ce que je vous explique. Fait que le top qui, là, nous, on a vraiment misé sur le mix and match, OK, cette saison-ci. Fait que là, on est allé avec le nouveau top ici qui est incroyablement beau. Le dos, sincèrement, gros coup de cœur. Genre, je m'entraînais au gym, puis là, les filles me voyaient toutes de dos, puis étaient comme, je veux ce top. Vraiment confortable. Genre, il est comme pas trop, tu sais, serre pas trop ici, c'est comme parfait. Que vous allez pouvoir agencer avec soit nos biker shirts, que hein, ça fait longtemps que je les flash sur le Instagram. Ils tiennent tellement bien, ils font des tellement belles fesses. Ça, là, les lignes ici, là, c'est un peu le même genre que nos leggings, faisaient tellement des belles fesses. Comme ça. Le monde, c'est comme, moi, c'est un détail que je regarde pas quand j'achète, mais les poches, il y en a beaucoup qui aiment ça, mettent leur téléphone dans leur poche. Fouille-moi pourquoi, moi, je mets pas mon téléphone quand je m'entraîne, mais je sais pas, tu sais, pour les mettre, moi, je, tu sais, je vais les mettre aussi en dehors du gym, là, dans le sens que je vais passer l'été, j'arrête pas de le dire, je vais passer l'été en biker shirt puis en t-shirt long. Fait que, tu sais, peut-être, c'est ça. On va au parc avec les enfants, ah, tu vois, je viens de trouver une utilité. Fait que les biker shirts qui sont exactement pareils, et les trois quarts, qui est une découverte, ma foi, malade dans la tête, moi je capote, ça fait longtemps que je dis qu'il faut trouver une façon d'être révolutionnaire côté legging. Moi, là vous compterez les fois que je dis le mot loulou dans cette vidéo-là parce que c'est comme mon meilleur comparatif. Loulou ont toujours un élastique en dedans, mais l'élastique est comme en loupe. Fait que moi, quand c'est trop lousse, je tire, je fais un nœud. Mon nœud il se défait plus là. Là je suis comme là, faut trouver quelque chose. Et puis là, notre fabricant nous a proposé ça, j'étais comme c'est parfait. L'élastique, elle est à l'extérieur et elle ne se défait pas parce que, ben c'est ça, tu fais un nœud. C'est malade. Et je les ai essayés dans un training. C'était genre le meilleur training pour essayer. Là. Il y avait des burpees, des box jumps. En tout cas, je vais tout vous montrer ça de toute façon dans quelques minutes. Les tests, là, mais incroyable. Et c'est trois quarts. Trois quarts quand même longs. Je vous dirais qu'on voulait pas que ça soit trop comme proche des genoux, puis ni genre... Est-ce que c'est un... Tu sais, c'est sûr que ça dépend à combien tu mesures ça. Je pourrais jamais vous dire... tu sais, que sur quelqu'un, ça peut quasiment faire un long, puis sur l'autre, peut être comme vraiment court en plein milieu. Ça dépend à combien tu mesures, mais encore là, vous allez pouvoir voir avec la charte. Fait que les leggings trois quarts qu'on capote, là, le logo est en arrière comme ça. Sincèrement, ça aussi, il fait vraiment des belles fesses. Je l'adore. Sincèrement, moi, je vais vraiment travailler fort pour que Alex soit... autant convaincu que moi qui revient à chaque saison. Je l'ai testé et retesté. Fait que, tu sais, moi, ces trois morceaux-là, ou si t'as le top noir qui va avec ça. Tu sais, vous le savez, nous, on est de plus en plus dans le mix and match. Ensuite, je retourne dans mes repeats. le fameux jogger, je crois que c'est... Ben, tu sais, moi, je vais dire ça à chaque morceau, là, mais c'était un des coups de cœur que le monde attendait parce que l'essayer, c'est l'adopter. Et ça, c'est un de nos morceaux, comme à la collection printemps-été, que... Tu vois, puis que t'es comme, ah oh ouais, ça a l'air confort, et que tu reçois, t'es comme, c'est quand la prochaine couleur? Puis je vous le dis, je pense. Ben, faudrait que j'appelle les filles, mais je pense qu'on a eu aucun retour sur ce morceau. Je vous explique pourquoi, parce que probablement, c'est un jogger, OK, qui fait des belles fesses, tu sais, quand est-ce que tu, à cause de, encore une fois, à cause de la petite ligne. C'est confortable, et encore là, si t'as pris une grandeur de plus, une grandeur de moins, ça change juste le look. Meilleur exemple, moi, j'ai les noirs. En large, parce que je me suis dit, c'est un jogger, je vais être comme plus confortable. Et là, j'avais le testeur en médium. Puis les filles étaient comme, ah, oh, il te fait vraiment mieux celui-là, parce que, tu sais, ça moulait mes fesses, puis il me faisait bien, mais je me sentais zéro serrée, là. C'est, tu sais, dans le fond, ce médium, c'est ma grandeur, sauf que je voulais comme l'effet puffy des larges. Fait que, tu sais, si vous avez, en tout cas, c'est vraiment, vous allez pas vous tromper, là. Si vous portez médium, puis que vous voulez que ça fasse ajuster, vous prenez médium. Si vous voulez que ça soit plus oversize, vous upsizez la grandeur, mais en gris de charcoal. On s'est dit qu'on allait comme descendre d'une mini teinte pour l'été, puis que mais sans trop genre que ça soit salissant vu que c'est des joggers, vous allez probablement mettre ça genre autour du feu aussi puis tout. Ensuite un autre repeat mais dans une autre couleur, le fameux long sleeve. Moi, tu me demanderais de choisir mettons mon coup de cœur. Je saurais pas quoi faire. Mais je tiens à chaque collection qu'on revienne avec le top de sport, le jogger et le long sleeve. Parce que mon Dieu Seigneur,
Sincèrement, là, c'est le morceau le plus confortable au monde. C'est le morceau que mon gym, les filles, nous demandent tout le temps. Ah, mon Dieu, ça vient d'où? Parce que on fait comme l'exercice avec ça, puis il est juste incroyable. Fait que long derrière, il va vraiment long ici. Vous allez tous voir ça. Le confort, il est léger. T'as l'impression de respirer de partout. Ma femme de ménage, elle me disait, elle là dans le noir, puis elle disait, pour vrai, moi, j'ai chaud à rien, puis genre, c'est ça que je mets à chaque fois. Que j'ai pas une grosse garde-robe. À chaque fois que je vais faire le ménage, je mets mon long sleeve de Will & You. Mais c'est qu'il est tellement. Je sais pas si vous allez voir un petit peu mieux. Là. Il est tellement comme mince. Mais en même temps, c'est parfait pour se réchauffer autant au gym que. Tu sais, même si t'écoutes cette vidéo-là et tu t'entraînes pas, là, j'ai ce coton était là, genre à chaque dimanche, là, tu sais, pour justement faire mon ménage et tout. Là, deux nouveautés. Moi, mon coup de cœur, vous allez me trouver fatigante, là. Mais c'est comme le premier morceau que j'ai essayé après plusieurs essais, puis que je me suis dit, oh, ouais, lui, il faut vraiment le mettre. C'est les shorts qui me font penser aux joggers. Regardez-moi ça. Même principe, l'élastique ici que les joggers et que les leggings que je vous ai montrés. Puis, ils sont malades. Ils font des belles fesses aussi. Puis, je les ai essayés pour m'entraîner. Puis là, j'étais comme, ah, vraiment pour s'entraîner, ça sera pas de baisse, tout, ça va lever. Finalement, ça tient vraiment. Puis même s'il y avait levé, je pense que je les aurais quand même mis dans la collection parce qu'ils sont tellement confortables que je suis comme, tu te lèves, tu portes ça toute la journée. Mais finalement, surprenamment bien, ils tiennent bien. Encore une fois, c'est quelque chose que, tu sais, c'est un vêtement de sport. Fait que vous me donnerez des nouvelles, mais c'est vraiment un de mes coups de cœur. Genre, checky, comment le tissu, c'est genre. Le passe-partout qu'il vous faut pour votre printemps-été. Et ça, c'est un coup de cœur à Alex, mais en fait, ben moi aussi, mais qui attenait vraiment, vraiment à ce qu'on sorte. Le t-shirt, OK? Je sais pas s'il y a du bon bord. Le logo, en tout cas, le logo est ici. Ça aussi. Ben, en fait, écoutez, c'est la même texture, même tissu que le... regardez ça. Tu sais, on appelle plus ça du dry fit, là. On appelle ça un pyjama de sport. Checkez ça. Puis, j'ai-tu la grandeur? Ici. J'ai-tu la grandeur? Ah, mais c'est comme un médium large. C'est comme un très standard aussi, là, mais très léger. Tu sais, moi, je m'entraîne plus avec des t-shirts. C'est soit en top ou en camisole. Et j'étais comme, je vais l'essayer pareil, tu sais, pour justement l'approuver. Et c'est comme si j'étais tout nu. J'arrêtais pas de dire à la fille qui était à côté de moi, touche mon bras, touche mon bras! Vraiment fière aussi de ce produit-là. Fait que voilà, on capote. Fait qu'il y a un petit récapitulatif. Pour vrai, tout fait ensemble. Tu sais, mettons, vous voulez être black on black, black and bleu, black and bleu, black and gris, ou même, qu'est-ce qui est débile mental, les jogs gris avec le top bleu. Là, est-ce que vous voyez, il est vraiment bleu, genre malade dans la tête. C'est fou. Tu sais, même ça. Ah, ok, ça, ok, ça, je vais vous mettre la photo là, avec les biker shirts, là. En tout cas, tout, vous allez avoir de la misère à choisir. Fait qu'on s'excuse d'avance de vous avoir créé des besoins. La seule chose, c'est que c'est en précommande. Donc, la politique de précommande, c'est comme pour ça que nous, on fait jamais de précommande. Je vous dirais, là, c'est que la politique de précommande, comment ça fonctionne, c'est que vous allez commander demain. Puis, nous, on passe exactement la commande qu'on reçoit. Fait que si, mettons, je sais pas moi, on a vendu 300 biker shirts, ben on achète 300, ben 300 quels pour si jamais il y a des prix. Tu sais, on n'est pas à l'abri des bris, à l'abri des défauts. Oui, on les inspecte, mais tu sais, mettons que tu es en dedans puis qu'il y a une couture là, décousue, on veut pouvoir vous les changer. Fait qu'on en commande un petit peu plus, mais ça fait que c'est comme vente finale. Fait que c'est pour ça que, surtout quand c'est des nouveaux produits que vous avez jamais essayé, je trouve ça tout le temps un peu touché, mais en même temps, ça a tellement été demandé pour être sûr que vous ayez vos morceaux. Parce que la dernière fois, wow, là, à 8h02, il n'y avait plus rien, on se sentait un peu mal. Puis pourtant, on avait des vraiment bonnes quantités. Fait que c'est vraiment la solution qu'on a trouvée pour le lancement de sport 2.0. Fait que c'est comme ça qu'on va fonctionner. Puis de toute façon, pour vrai, là, les filles là, que leur top faisait pas, là, on pouvait pas leur prendre parce que même si c'était pas en précommande, c'était... ça compte comme un soutien-gorge, là, les tops, là. Fait que, mais là, tout va être vente finale. Mais c'est ça, je vais pas vous faire peur avec ça, parce que dans le sens que, premièrement, si vous prenez votre bonne grandeur, ça va faire, vous allez l'adopter, comme je vous dis. Puis deuxièmement, c'est une collection qui se vend hyper bien. Toutes les clientes qui m'ont écrit parce que leur top faisait pas ou que eux, le legging tenait pas, ils mettaient, soit ils essayaient de le vendre par eux-mêmes puis ils le vendaient comme plein prix, ou soit nous, on le reprend, mais dans la section Second Life, puis vous avez un crédit en boutique. Fait que, tu sais, vous êtes pas... C'est plate quand ça fait pas, mais en même temps, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un risque à prendre.
Je vais vous mettre les vidéos juste après, des testings comme la dernière collection pour vous montrer à quel point c'est tout approuve. J'ai reçu une méga boîte de testing il y a des mois, puis tu sais, on va se le dire, là, on a rajouté seulement un, deux. Hey, la magie de la télé. On a fait le shooting hier, fait que je veux vous rajouter des petites spécifications, en fait, même par rapport au shooting. C'est juste que, de un, le shooting a vraiment confirmé que les grandeurs étaient vraiment très, 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 très standards. On avait le modèle small, ben on avait le modèle small X-small qui, tu sais, on n'avait pas commandé d'X-small. Fait que là, les leggings bleus, elle avait small, clairement, ben clairement, il faisait, mais tu sais, elle aurait pu être plus confortable, plus tight dans les small. Le haut small, c'est tout le temps ça qu'elle porte. Après ça, dans le modèle medium, medium en bas, medium en haut, c'était parfait. Modèle large, extra large, c'était exactement ce qu'elle a pris, mettons, dans l'autre collection ou dans son linge de sport, partout, partout, partout. Le bas X large, mon Dieu, le bas X large, le haut large et le long sleeve large. Elle l'avait dans le noir, la collection dernière, puis là, elle l'avait dans le gris, dans le photo shoot. Et j'ai oublié de vous montrer, mon Dieu, le clou de la collection. On dirait que ça fait, c'est parce que ça fait comme un an qu'on l'a, puis qu'on l'a. Puis ça fait quelques mois qu'on l'a déjà shooté, fait que je l'avais comme oublié qu'on le sortait en ben, en transparence avec vous. L'anorak, c'est genre mon coup de cœur. En faisant la collection sport, c'est le premier échantillon qu'on a reçu. Et c'est un des échantillons qu'on a zéro touché parce qu'il était parfait. Regarde, on l'a vraiment, tu sais, décidé les couleurs puis tout. Regardez ça, il est tellement, il fait tellement bien, là, je vais vous le mettre, là. Ça, c'est un small, tu sais, c'est un manteau, là, fait que c'est sûr qu'il fait un peu, ben, oversize, tu sais, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment standard, mais, genre, il est tellement beau, puis tu sais, on a fait vraiment changer plein d'affaires, parce que, ben, premièrement, en fait, c'est nous qui l'a décidé au complet, mais mettons que tu regardais, on regardait des modèles, tu sais, pour s'inspirer, puis, les logos, ils étaient comme ailleurs ou le ça c'était une fausse poche. Fait que moi ça je l'ai fait changer à Alex. J'ai dit tu sais moi les fausses poches là je trouve que tu sais c'est comme inutile. Fait que tu sais tu vas courir parce qu'à la base c'était vraiment pour ça pour les coureuses du printemps. Fait que c'est pour ça qu'on l'a pas sorti avant. Comme ça sert à rien qu'on le sorte à la collection d'hiver là. Personne qui va acheter ça. Fait que c'est ça puis il est comme genre un peu transparent mais pas trop. Genre juste pour dire que c'est comme un plus imperméable. T'sais, la longueur est vraiment bonne, c'est un small, là. Mais le fait qu'il y ait un élastique, ça tient. Puis, regardez-moi ça. Genre, c'est mal. Ça, là, j'adore ça. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on voulait full. Ça sert ici. Les petits cordons, ici. Le capuchon. Je capote. C'est genre mon morceau préféré. Je vous dis ça depuis le début de la vidéo. Fait que voilà! Hey, ma pause est finie! 3, 4, 5 nouveaux morceaux sur genre 30 cucs. Puis on a fait 3 repeats de coups de cœur qu'on avait déjà de bons vendeurs. Fait que tu sais, c'est qu'on les a testés, on les aime, on les approuve. Fait que voilà, j'espère que vous allez être autant nombreuses à être excitées que la dernière fois. J'espère que vous allez autant aimer cette vente-là. Je vous mets, je vous laisse sur les testings. Puis on se voit demain à 8h pour la précommande. N'hésitez pas si vous avez des questions, écrivez-moi à Instagram, Facebook, courriel. Je suis là pour vous. Whoa!